Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur The Evil Within 2. Comme d'habitude, fermez les volets, mettez un casque ou éteignez les lumières évidemment si vous avez juste les lumières d'allumer, prenez des écouteurs, une petite collation et on est reparti, c'est l'épisode 11, c'est totalement incroyable, j'avais d'outils de fabrication, des pièces détachées, voilà, des pièces détachées pour améliorer mes armes. Donc les gars, on va clairement pas se priver. Néanmoins, j'ai plus de vis, j'ai pas de vis du tout. J'ai utilisé ma dernière vis et ça fait mal les amis. Donc on va devoir tout améliorer ici en premier. Et je pense qu'on va tout simplement améliorer... Qu'est-ce qu'on peut améliorer? L'arbalète? L'arbalète, les carreaux explosifs, regardez. Augmenter les dégâts, ça coûte que 80, boum. Ça mange pas de pain. On peut augmenter... tenez... Les éclairs. L'effet s'étend à plusieurs ennemis sur une plus grande distance. D'accord, c'est pour ça qu'il n'y en avait qu'un qui était pris sous mes éclairs il y a 3-4 épisodes. Oh là là, c'est terrible, je m'en souviens. Devant le hangar, souvenez-vous. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Mais on n'a rien d'autre, tout simplement, si. On a ça. On a ça pour se faire plaisir dans 10 pièces. Augmente encore la puissance de mon pistolet. Oh, mon pistolet, ça va être un massacre. Hein. Ah bah, il va péter des bouches, c'est moi qui vous le dis, les gars. Donc c'est parti, on va faire notre stand d'entraînement. Et on va essayer de débloquer cette fois-ci le dernier mode de difficulté en espérant choper les 10 000 gels. C'est clairement pas négligeable, pardon. C'est pas à toi qu'il faut que je parle, il faut que j'aille directement ici. On est parti, ça j'ai tout fait, il reste plus que ça. Nous voici, donc si je fais 4 000, je débloque 10 000 gels verts, ça risque d'être long. 2500 c'est une clé de casier, c'est pas négligeable non plus, ça me fera 2 clés de casier les gars. Allez, je vous montre que l'essai où je vais réussir évidemment. Bon, c'est vraiment compliqué. Allez. Oh non, non, non. On peut pas, on peut clairement pas tous les avoir. Oh là là. Ok. Ah non, dommage, merde. Bon, c'est mon meilleur score, ça. 4000 les gars, faut quasi pas en louper. Ouais, c'est assez pas terrible. Pas mal du tout. Pas mal du tout, c'est mon meilleur score, c'est mon meilleur score. Grâce à ça, j'ai une clé de casier. Les 10 000 gels, les gars, ça attendra. On a terminé notre petite séance d'entraînement. Bien compliqué celle-là, hein. Bien compliqué, ça m'a fait mal aux mains, c'est pour vous dire. Par contre, on n'a pas eu de pièces détachées. On est parti, on va se customiser le cerveau, les gars. Et on va ouvrir nos deux casiers au hasard. J'espère que vous êtes motivé, j'espère qu'on va être... Je vois que vous avez encore gâté. Besoin de mes services. J'ai toujours besoin de toi. Tu es ravissant, tu es magnifique. Vous êtes magnifique. Je me suis permis de te tutoyer, quelle erreur. Quelle erreur stupide. Ok, c'est parti. Donc fais-moi rêver, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Allez, on avait dit qu'on améliorait un petit peu l'agilité, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on a de beau? Probabilité d'éviter automatiquement une attaque qui nous aurait touché. Ouais, ça me paraît pas mal. Et vitesse de récupération de l'endurance, ça me paraît pas mal non plus. Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Réflexe, esquiver automatiquement les attaques ennemies avec un taux d'évasion fixe. Certaines attaques ne peuvent être esquivées avec l'attitude réflexe. Attention quand même, évidemment, de ne pas tout mélanger. On est parti, on peut retirer. Bon, on va retourner un petit peu dans santé, qu'est-ce qu'on a de beau? Après une attaque suffisante pour vous coûter la vie, vous serrez les dents, encaissez et poursuivez avec une santé très faible. Et là, la santé totale issue d'une régénération après une mort imminente est augmentée. D'accord. Ah, c'est... Il n'y a rien qui m'intéresse, là. Peut-être celui-ci. Peut-être celui-ci pour éviter le game over. Mais des fois, un bon game over, c'est sympa aussi. Ok, c'est pas mal. Il nous reste plus que 1500 gels verts. C'est pas mal. Direction nos casiers. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai bien envie d'ouvrir celui-ci. J'ai bien envie d'ouvrir celui-ci. Oh! Combien? 3000! Merci! Et celui-ci. Oh! Combien? 150! Merci! Oh, vous êtes agréable! Je reviendrai! Vous êtes tellement agréable! Ça, c'est beau! C'est très très beau! On peut même améliorer... on va pas tout améliorer, les gars.
On va se focus un peu plus sur le jeu. On est parti. Je vais sauvegarder ailleurs. Pas besoin de sauvegarder ici. On va sauvegarder juste ici d'ailleurs, au passage. Et nous voici donc dans notre toute nouvelle planque. Nous sommes à l'hôtel de ville de Nyon. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer, ni comment ça va se passer. Mais sachez que ça va se passer quoi qu'il arrive. Chapitre 4, derrière le rideau. On va voir ce qui nous attend au-delà de l'échelle, bien évidemment. Et on va voir la carte si elle est grande. Peut-être que l'hôtel de ville est encore plus grand que la ville elle-même. Ça m'étonnerait, ils sont pas américains, mais bon. Quoique si, ils sont américains. Ils sont totalement américains. Parce que c'est un jeu américain, bien évidemment. Ok. Oh! Ah! Ah oui, forcément, si vous comptez... si vous comptez l'hôtel de ville avec sa cour... Eh, il y a du monde au portillon. C'est moi qui vous le dis. Très bien. Nous voici à l'hôtel de ville. La ville était là, les gars. Regardez. La ville... Non, même pas. C'est même pas la ville. C'est un bout de quartier. Ça doit être l'hôtel de ville. Lily. La ville était là. Il faut que j'arrête ce type. Elle est là, totalement à l'envers, cette ville. Elle est incroyable. On vient de ce caillou. Ok. Oh. Oh non. Oh non, c'est gigantesque. C'est totalement gigantesque. Ça me fait mal, tout ça. Normalement, le fantôme ne me suivra pas jusqu'ici. Oh, une hache. Bah, merci. Très bien. Une petite hache. Ça fait plaisir, je ne dis pas non. Bon, faut que j'aille au centre, les gars. Regardez-moi cet hôtel de ville. Oh, putain. C'est lui. Ok, non, ça va, c'est le photographe. Je croyais que c'était notre madame. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Je suis pas sûr d'être prêt pour ça. Il n'est plus question de faire demi-tour maintenant. Mais mais c'est un arbre? C'est un appareil photo, carrément? Ok, j'aimerais aller juste ici. Pour voir ce qui va s'y passer. Ça m'intéresse, d'accord? Ok, on a quelque chose. On a quelque chose. Régale-moi, frérot. Encore une magnifique journée. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où il faisait mauvais temps. Il fait toujours le temps parfait. Quel bonheur d'être né et d'avoir grandi à Union. Je suis jamais parti. Et je compte bien finir mes jours ici. Ah, vous sentez ça? L'odeur du printemps. Les plates-bandes qu'ils ont plantées sont vraiment belles. Vous ne trouvez pas? D'accord. Souvenir résiduel, très bien. Je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas ce qui va se passer, mais je fouille. Hein. Je fouille. Peut-être qu'on va trouver des choses très intéressantes, comme ça par exemple. Je prends. Ok. Bon bah on est parti les gars, hein. On va devoir y aller au bout d'un moment. Hein. Attendez, il y avait quelque chose à faire. On va devoir y aller. Qu'est-ce que c'est que ces arbres? On dirait des bras. Bonjour. Nous voici dans des racines et des ailes pour un événement incroyable. Avec une poussée. Ah, c'est les citoyens. Ok. Vas-y, fais-moi rêver. C'est ça, tu vas voir, connard. Photo de Sebastian Castellanos. Le ravisseur de Lily. Cette photo a dû être prise à l'extérieur de l'entrepôt. Ah bah oui, nous vous attendons. Donc il sait que j'arrive. Forcément, forcément, Sébastien. Ok. Il va se passer quelque chose par ici. Qu'est-ce que c'est? Je suis peut-être pas prêt pour ça, effectivement. Bienvenue à l'hôtel de ville. Ah! C'est un beau délire, ça. C'est un boss, c'est quoi? C'est totalement un boss. C'est totalement un boss.
bonne chance. En tout cas, souhaitez-moi bonne chance. J'ai eu chaud. Hein. Attendez. Attendez, ne bougez pas. Mais putain, elle slalom! Quoi? C'est de la discrétion, madame! Ça se fait pas ce que vous faites là! Ok. Ah! Oh là là! Ah, je peux plus courir. Je peux plus courir, ça risque d'être dommage ce qui va se passer. Ah bah oui, forcément. Oh là 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 là. Les moves du joueur. Ok. C'est chiant. Ah. Oh là 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 là. Ah bah là j'étais obligé de prendre. J'étais obligé de prendre, fallait que je reload, mon endurance ne remonte pas. C'est terrible. Oh là 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 là. Oh là là. Putain, c'est pas vrai. Elle est morte? Totalement que non. C'est terrible, madame. Allez, ça dégage. J'ai pas le temps. Oh putain. Ah! Non, c'est bon, elle est morte. C'est bon, elle est totalement morte. Ok. Ok, c'est compliqué. Je sais pas combien de gel ça va me donner. Peut-être 10 000, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Si je dois faire un tour d'horizon, il me reste 4 balles de fusil à pompe. C'est pas mal. Cette fois, je ne m'enfuirai pas. 5 000! Ok, on a eu le boss. J'ai plus une seule balle de pistolet. 4 balles de fusil à pompe. Et 5 carreaux, honnêtement, c'est pas mal, sachant que j'ai perdu que la moitié de ma vie. Et sniper, j'ai tiré que deux fois. Deux fois, dont une fois où j'ai loupé, me semble-t-il. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc c'est très très bien. Honnêtement, pas déçu. Hop, on essaye. On essaye, on sait jamais. Qu'elle ne se relève pas. Sacripant. Ah, putain, il y avait la flaque, je l'avais pas vue, dur. Ah bah, ça fait mal, toujours, hein. Ça fait mal quand on fait ses découvertes bien trop tard, hein. Ok, on va tout fouiller. De la poudre pour se faire des balles, y'a rien de mieux. Des balles d'ailleurs pour se refaire des balles. Hop, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On l'a fait réellement, sans faire l'américain. On l'a fait d'une petite... Voilà, c'était assez simple, c'était pas trop dur. J'ai pas trop bégayé, je vous ai pas parlé en italien les mecs. Regardez tout ce qu'il y a en plus, c'est terrible. Ok. On va changer de carreau. Yes, on est pas mal. Oh, bah alors mademoiselle, que faites-vous avec ça dans la bouche? Ok. Je passe en dessous. J'aime les risques. D'accord. Bon, c'est censé exploser, je suppose. Mais bah, vous savez quoi, c'est pas grave. J'ai pas envie de gâcher une balle à tirer dessus. Bon, c'était plutôt cool. Ah d'accord, on pouvait s'enfermer. Mais panique pas, y a plus personne. Oh putain. Ok, on passe tranquille aussi. D'accord. Mais oui, mais faut pas paniquer. Ah, il panique encore, il sait pas. Bah alors, Sébastien, on l'a eu, c'est bon, hein. Attends, elle va pas se relever quand même. Attends, je fais le malin, je fais totalement le malin, mais si ça se trouve, oui, elle va se relever en fait. Elle va se relever, elle va briser mes grands morts. Et on n'en parle plus, on va laisser peser, comme on dit dans le milieu. Oh, la jauge d'endurance, faut vraiment que je la booste, parce que c'est terrible. Je l'ai déjà boosté, mais c'est pas suffisant. Ok, bon, on va tout ramasser, hein, les gars. Écoutez. Ah, d'accord, je pouvais utiliser les pièges et tout. D'accord, il y en a qui avaient pas assez de balles pour venir à bout de. Dites-moi, les gars, il y a des gens qui avaient pas assez de balles ou pas assez d'amélioration pour venir à bout de tout ça? Parce que réellement, nous, on s'est régalé, hein. Ou alors, il est peut-être pas mort, hein, je fais peut-être le show aussi, hein. Il y a moyen que je fasse le show de ouf, hein. On va fouiller sur le côté. On en profite, les gars. On est dans une phase où on sait qu'il peut pas nous arriver
Ah d'accord, on peut totalement le prendre à travers la grille. Plutôt cool. Ok, là on a un arbre, est-ce que je peux utiliser l'arbre pour partir? Non. On a une caisse, faut pas oublier cette caisse là. On va la prendre. Une délicatesse. On a des balles encore. Oh oui, non mais les gars. Non, je suis large. Faut pas commencer à parler chinois les gars. Hop. On se permet plein de petits trucs. Je pense qu'elle va se relever. La vérité, je pense qu'elle va se relever. Donc vous savez quoi? On va faire ceci. Et on préparera notre terrain. Ouais. Ouais, elle va se relever, non? Non, bah pas du tout. D'accord. Oh putain. Bah non, monsieur. On dirait Bitcoin. Qui est là? Tout va bien. Harrison, c'est ça? Je ne suis pas l'un d'eux. Oh, qui êtes-vous? Ne vous en faites pas. C'est O'Neill qui m'envoie. Je pensais qu'il restait plus que moi. Je cherche le noyau. Où est-elle? Elle est là? Premier étage, l'émetteur de champ stable. L'émetteur? On s'en fout de ça. Je cherche le noyau. Vous devez activer l'émetteur. Il stabilisera l'environnement. Sans ça, Union va complètement s'effondrer. Et le noyau n'aura plus aucune importance. Activez-le! Ça affectera son pouvoir. Son pouvoir? Vous voulez dire... Prenez ça. Utilisez-le pour activer l'émetteur. Merci de ton sacrifice, Harrison. Ok, apparemment il peut servir à démarrer... Un autre membre de l'équipe mort. J'aurais aimé avoir plus d'infos. Ne t'inquiète pas, Lily. Je te trouverai, quoi qu'il en coûte. Harrison, tu es malheureusement parti en vain. Trouver et activer l'émetteur de champ stable au premier étage. Les gars, regardez, mais oui, mais... Ça sert à quoi tous ces soins, les mecs? On est en normal, les mecs, hein. On est en normal, mais je me régale, je m'amuse, tout simplement. Bon, quelques petites frayeurs de temps en temps, évidemment, mais... Je fais le malin, sauf les phases où les armes ne peuvent rien faire. Là, c'est assez terrible. Ok, on n'a rien. Peut-être que si je prends en photo, non. Non, on a strictement rien. On va pouvoir bouger un peu. On va aller de l'autre côté. Avant d'aller tout droit... Ah d'accord, donner de carte impossible. Allez, hop, c'est réglé. Avant d'aller tout droit, toujours aller sur les côtés. Pour tout fouiller. Parce que regardez, il peut y avoir des choses assez intéressantes. Là, ça fait très Resident Evil 2, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le commissariat. Et bien sûr, moi, ça me fait plaisir. Ok, cartouche de pompe. Bah, c'est pas mal, on s'est déjà refait, les gars. Ah, atelier, sauvegarde, très bien. Ok, j'étais pas prêt à ça, vraiment. Qu'est-ce qu'on a là? Pourtant, je dois aller au premier étage. Bah écoutez, on va sauvegarder, hein, je sais pas, je dois aller au premier étage. Je pense qu'elle va, elle va se relever, hein, la femme devant, là. Elle est faite de cadavres, donc en soi... Ah, chapitre 5, dans la tente! Dans la tente de quoi? Ah, ça me rappelle tellement le commissariat de Resident Evil 2. Oh, c'est terrible. Hop, attendez. Parce qu'il y a ça à fouiller, les gars. Et ça, j'achète, clairement. J'ai tellement de pièces, c'est pas du tout que je trouve des clous. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Toujours des appareils photo. Bon bah les gars, on va au milieu, hein, c'est bon, on a fait gauche-droite. Ah! Notre ami photographe. Oh, c'est le mode opératoire. Il est ici, quelque part. Oui, forcément. Forcément, Rebatian. Là, je pense que tout va s'enchaîner très très vite. On va aller désactiver là-haut, peut-être, pour que le corps tombe, je sais pas. Je vois pas, y a rien à faire ici. Y a rien à faire et ça sent la course-poursuite, ça va être terrible. D'accord. C'est une belle œuvre en tout cas. Hein. Ok, c'est par ici. Je sais pas, les pièces sont très grandes. Ok. Ah. Bougez pas. Je sens une fluctuation dans mon Pokédex.
Ok. Je me méfie. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Ok, pour l'instant, on n'a rien. Je sais pas ce qu'il peut y avoir, là, cet étage. Oh. Je t'ai vu, coquin. Je t'ai vu. Hop, on ramasse. Très bien. C'est pas mal. Pour l'instant, il se passe rien. Il se passe vraiment rien. Ah, les tableaux sont vides. Très intéressant. Ok. Petit retournement rapide. C'est bon, les tableaux commencent à se remplir. On est à l'étage. Hein. Va falloir utiliser le stabilisateur, pardon. Compliqué à dire. Ok. C'est parti. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, très bien, très bien, très bien. On a... Qu'est-ce que c'est? Cet appareil est si vieux. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ok, on a un portrait. On a un vase. On peut faire pivoter. Oh, qu'est-ce que c'est? Collier d'émeraude. Ce collier d'émeraude possède une grosse pierre précieuse. Ah, mais il n'y a pas de vendeur comme Resident Evil 4. Et ça, ça fait mal. Ah, ok. On a quelque chose ici. Des roses, un collier. Oh! Rose, ces fleurs sont magnifiques, d'accord. Ok, donc je suppose qu'il va falloir recréer le tableau, tout simplement. Hein. On va pas se casser le cul, les gars. On est d'accord pour dire que... Ok, donc on va recréer le tableau. Alors, c'était les roses. On fait pivoter. D'accord, ça me paraît bon. Et là, c'était une photo. C'était ça? J'ai rien loupé, les gars? Non, j'ai rien loupé. Je pense que c'est ça. Régler la mise au point. Apprécie l'art. Ah! Ça a retiré le fond, d'accord. C'est bien fait. C'est très bien fait. Ok. Les secondes s'égrènent, mais le pendule s'est arrêté. D'accord. Ça arrête le temps? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On m'a pas mis au courant? Ah! On va prendre ce qu'on mérite, hein. On va clairement prendre ce qu'on mérite. Je viens de sortir d'un boss, les gars, vous allez pas... Si? On fait quoi? On fait un enchaînement, là? C'est ça? Ah. Mais qui a bien pu inventer ça? Elle a des gros ciseaux. D'accord. Mais comment on quitte le tableau là? Ok, on a quelque chose. Ça doit être un dossier intéressant, ça je pense qu'on va pouvoir le lire. Un nouveau cadavre décapité découvert. D'après PKC, le corps d'une femme a été découvert ce matin dans le parc de la ville. La victime identifiée est Emily Lewis, une jeune mannequin et actrice. Sa tête n'a pas encore été retrouvée, mais un examen de ses effets personnels sur la scène de crime a permis son identification. Il s'agit du dernier d'une longue série d'homicides de nature similaire. Le lieutenant James Van Kirk de la brigade criminelle a confirmé nos pires soupçons lors d'une conférence de presse. Crimson City pourrait être le terrain de chasse d'un tueur en série. L'ami de longue date d'Emily et photographe Stefano Valentini s'est exprimé aux infos. Il est arrivé une chose horrible à mon adorable mannequin. J'aurais pu au moins capturer son essence à tout jamais avant qu'elle ne soit réduite à néant. Ok! Donc c'est le photographe qui a tué Emily. Dans la vraie vie, sûrement. Il s'appelle Stefano Valentini. Je me souviens de cette affaire. Toujours pas classée. Eh ben le voilà. Mais alors qu'est-ce qu'un tueur fait dans le STEM? Pourquoi vous avez... Derrière moi, il y a quelque chose, mais j'ai pas envie de m'en retourner. Parce que ça me fait mal si je m'entoure. Appréciez l'art. Très bien. Du moment que ça me rapproche de toi, je jouerai à ton jeu. Oh là là. Ok, on repart en arrière. Là, on a un nouveau tableau. Cadeau innocent. Ok. Maquet, j'ai pas compris.
On a un nouveau truc ici aussi. Ok. Oh putain. Oh putain. C'est la bagarre. C'est la bagarre très bientôt, les gars. Ah, c'est Lily. Oh, ça sent pas bon. Sébastien, c'est il va s'énerver. Ce type joue avec moi. Ok. Ok, ok. Viens, frère. Viens pas. T'as l'air plus costaud que les autres. Ok. Le syndrome de la bouche pâteuse. Est-ce que vous l'avez là? Vous le sentez ou pas? Putain, je viens de faire un boss, déconne pas, frère. D'accord. Ah! Ceci est parfait. Normal. C'est mon œuvre, après tout. La mort préservée sur nitrate d'argent. Comme un insecte dans l'ambre. Superbe. D'accord. Ça me fait mal quand tu parles comme ça, jeune homme. Ah! Ok, j'attendais que la porte pop. On enchaîne les trucs très chelous, là. Hein. On va pas se mentir, c'est très suspect, tout ça. Toujours cette mannequin. Et on a quelque chose ici. On a une photo. Peut-être un diapo, par la même occasion. Un dossier, très bien. L'agent de Mobius, dans l'entrée de l'hôtel de ville, une autre sculpture gelée, pauvre type, s'il n'était pas déjà mort avant d'être jeté là-dedans, il le serait à l'arrivée. D'accord. Encore une. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, on va voir très vite. Quelqu'un marche? Ça devient compliqué ces conneries. Ça devient très compliqué vos histoires. Le rideau. Ah! Il me prend en photo. Je décide de l'ignorer. J'ai voulu lui tirer une balle, on sait jamais, sur un malentendu. Ok, on va pas se presser. Il y a quelqu'un. Non, ça peut rien faire. Ok. Ah! D'accord. C'est que des retournements, hein. Très clairement. C'est un peu terrible. Là, on est dans l'enfer du STEM. On dirait l'escalier sans fin là de Super Mario 64, cousin. Ça va. Il fait ça pour m'épuiser, j'en suis sûr. C'est pas possible, on va avoir un autre boss, les mecs. Ça sent pas bon, ça. Hein. Ok. Ok, toujours le mannequin. Des morceaux du mannequin. Une pièce ronde et vide. Je peux pas courir. Y a rien dans cette pièce. Y'a strictement rien. Y a rien là, je comprends pas. Oui, un script qui s'est pas lancé, qu'est-ce qui se passe? On s'en va. On va éteindre la lumière et on va voir. C'est très bizarre. Là, il marche. Ah, d'accord. C'était un script. C'était un script qui se lançait pas. Oh là. Oh.
Ah! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là, les amis. Ça me paraît pas mal. N'oubliez pas de laisser mes commentaires. On se retrouve très bientôt pour notre épisode 12. Oui, notre épisode 12 de Evil Within 2. Je vous fais des bisous. Là, on a très bien avancé. C'est très bizarre tout ce qui s'est passé. Mais voilà. Voilà, écoutez, ça s'est passé. Donc, wait and see. En tout cas, il y avait quelque chose qui m'a pris en photo dans le noir. Et on s'est déjà téléporté avec des sortes de mannequins. J'espère que c'est pas des adversaires. À très bientôt tout le monde pour la suite de nos aventures.